mais dommage, ça va botter en rien. Et finalement, les ballons et qui quand même sorti en touche. L'entrée touche fait rapidement. Pour le faire, pour le fait. Mais le football a raté contre le ballon. Et c'est et donc Benton Medina qui a sorti pour Dominique Yo. Il a perdu le ballon rapidement. Récupération pour l'équipe de la PNH par Alain. Alain qui voulait alerter son compère Fenel Maliver. Mais finalement, la passe était imprécise. On joue en retrait et vers le portier de la PNH. Monsieur Judnel et Franz. Judnel Franz qui donne vers son compère défensif. Au reste lui. Qui retourne à nouveau vers Judnel Franz. Judnel Franz, la passe sur le flanc droit en direction de André Joseph. André, ballon perdu. Cette fois-ci, récupération pour l'équipe policière dominicaine par Ego Manuel Ogando. Mais le ballon est allé en touche. Le ballon est filé. Donc en touche au profit des Dominicains. Touche qui va effectuer Monsieur Rokele Pires pour l'équipe dominicaine. Oui. La RTNH, fidèle à sa devise. Oui. Servir, former, informer, nous là pour divertir toute une nation. Oui. Tout un peuple, tout un pays. Oui. Entre temps, ballon qui quand même, un ballon aérien, mais ça ne marche pas. Voilà. Salutations à notre ami Kim Zouachin. On salue également notre ami Bolnav, présent avec nous pour vous faire vivre cette rencontre en direct sur les ondes de la radio-télévision nationale d'Haïti. Oui, c'est toujours 3-0. Score favorable pour l'institution policière nationale qui affronte en ce moment l'équipe policière dominicaine. À l'occasion de 23e anniversaire, entre-temps, le ballon est contrôlé par le capitaine pour l'équipe et haïtienne. La balle aérienne, entre-temps, ballon récupéré par le dossard 2. Au reste, lui, pour la PNH, oui, on passe précise. Ballon allé en touche. Et c'est en touche que ballon filé. Nous, en direct, depuis Parc Sainte-Thérèse, Pétionville, pour nous porter pour vous. Rencontre football Silla entre PNH et police dominicaine. Voilà, ballon qui balancé, Luxon Mathéus. Non, c'était disons au reste lui qui perd le ballon. La deuxième balle, voilà, c'est ce monsieur. Au reste lui, que va-t-il faire? Au reste joue en direction de Philippe lui qui se rabat et vers mesdames, messieurs et le camp dominicain. Mais finalement il est contraint. Il joue en retrait vers son compère, le portier Judnel Franz, très calme. Judnel Franz sans pression. Judnel Franz en direction de donc Antenor Edouard qui prend du champ. Edouard contraint de jouer en profondeur. Quelle passe hasardeuse. Mais finalement ballon chippé par l'équipe dominicaine. Et semblerait qu'il y a faute. Voilà, l'arbitre central a tranché. Point barre. C'est l'arbitre qui a tranché. C'est quand même le chef de cette rencontre. Eh bien, n'a pas qu'on est que rencontre ça qui va suivre là. Il y a un pile au dignitaire dans l'état quand même qui fait le déplacement pour venir supporter, pour venir quand même célébrer à PNH là qui a fêté 23e anniversaire. Parmi eux, gagné président République là, Jovenel Moïse qui l'a gagné également. Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontan, sans oublier l'autre membre du gouvernement, parmi eux, ministre de l'Espoir et Action Civique, là, Régine Lamure, ministre Planification et Coopération Externe, Aviol Fleurant, ministre Justice, Oudi Ali. Oui, c'est quelques parmi les gens qui sont présents ici au Parc Sainte-Thérèse. Oui, entre-temps, ballon qui sortit en touche, c'est pour Lyon rentrer tous ceux qui pourraient le faire rapidement. Pour la formation de la police dominicaine, quand même, c'est une ambiance survoltée.
une ambiance électrique surchauffée ici au parc Saint-Thérèse. Voilà, il y a une marée humaine, Bolnav, regardez, il y a une marée humaine. En pile monde fait le déplacement quand même pour que nous arrivions là. Nous avons en pile difficulté tellement il y a monde qui présent. Voilà, mais ça m'a dit, il y a une marée humaine, en pile monde présent ici au parc Saint-Thérèse pour suivre cette rencontre entre la police nationale d'Haïti et celle de la République dominicaine à l'occasion de la 23e anniversaire de la PNH. Protéger, servir, ces deux visions. Il y a également directeur général et PNH là qui l'a, Michael Ange Gédéon. Entre temps, on joue en défense et dominicaine. La passe en direction de Gumanuel Ogando. Gumanuel Ogando, attention, oui, l'équipe dominicaine qui va jouer. Attention, quelle une des parfaites. Attention, yo trio, yo fait quand même ça au besoin. La passe en profondeur vers Adonis Diaz. Adonis Diaz, ballon qui va le perdu. Mais Sam Dabdia a essayé de prendre la passe en profondeur. Voilà, vive le sport. Puisque le sport, c'est la vie. Le sport, la passion des riches, la passion des pauvres, la passion des noirs, la passion des blancs, la passion des jeunes et vieux, petits et grands, et bien filles et garçons, ils sont tous dominés par la passion du sport. Oui, le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la passion de toutes les nations. Entre temps, le ballon est allé en touche. Ballon balancé, attaque pour l'équipe dominicaine. Ballon pour le repousser au niveau de la défense. Mais la deuxième balle, héritée par les Dominicains. Finalement, donc Luxon Mathéus se mêle de la partie en jouant de la tête pour éviter le danger. Donc à l'équipe de la PNH, les Dominicains quand même en possession de la balle. La passe, la balle aérienne, déviation de la tête. La deuxième déviation, c'est l'équipe dominicaine qui a le ballon. Mais c'était momentanément puisque il y a Philippe lui qui récupère la balle pour l'équipe de la PNH. Mais c'était un mauvais contrôle. Le ballon est filé en 5m50 au profit de l'équipe dominicaine. Ouais, un changement s'annonce au sein. Donc il était pour que nous identifier qui équipe qui quand même. Ouais, c'est le portier de la PNH qui sort, monsieur Judnel Franz. Ouais, un changement poste pour poste. Eh bien, du 14 juin au 15 juillet, c'est la 21e édition de la Coupe du Monde Russie 2018. Attaque là pour l'équipe de la PNH. Ouverture sur le flanc droit, mais ballon repoussé par la défense dominicaine. Ouais, attaque pour l'équipe rouge et blanc. Mais il faut saluer le retour de la défense de la PNH. La passe pour le portier de nouveau venu qui n'est pas qu'à jouer à main, qui était obligé de jouer de la tête. Mais finalement, ballon sali sorti en touche. N'a bien pour nous passer Volgograd, n'a bien pour nous passer Kazan, n'a bien pour nous aller Kaliningrad, n'a bien pour nous aller Moscou, pour nous poter pour eux. 21e édition Coupe du Monde là, depuis dans stade, passé dans vestiaire, arrivé quand même toute information yo, et c'est rendez-vous sous télévision nationale d'Haïti. Oui, puisque nous prenons engagement pour nous avoir. Nous prenons engagement pour nous servir. Entre temps, l'équipe haïtienne contre-attaque. C'est toujours 3 buts à 0 au profit de la PNH à l'occasion de 23e anniversaire. Match de Galasta Cap joué. Dans le moment où on a parlé à Nampak Saint-Thérèse de Pétionville. Attention, c'est le 203 et Luxon Mathieus qui a le ballon. La passe en profondeur, mais entre temps, Fidel Malivert et donc hérite le ballon pour l'équipe haïtienne. C'était momentanément, puisque en ce moment, il y a donc Juan Diaz qui récupère la balle. Juan Diaz récupère en jouant sur le flanc droit. Oui, c'est ce qu'il fait là où il y a Adonis Diaz. Adonis Diaz, la passe en profondeur, mais et bon retour réalisé par le 203 et pour l'équipe de la PNH qui mène 3 buts à 0 au profit de la police dominicaine. Oui, quelle relance, ballon repoussé, la passe dans l'axe, mais appel de balle n'a pas passé. Et finalement, et PNH a fait le show. Donc je dis à côté, nous quand même présents
pour ne porter pour vous. Contre Football Silla, il y a un joueur qui reste au tapis. Eh bien, n'a profité fort qu'on est jeudi à sélection féminine U17 là. Il est tombé dans la demi-finale là contre les États-Unis 3-2. Alors que c'est noté Louis Collin par Melchi Daël Dumonet sous coup franc. Mais Mexique, disons Canada et les États-Unis, c'est les États-Unis qui nous battent 3-2, qui nous perdu, disons, contre les États-Unis, je dis à 3-2 dans la deuxième demi-finale là. Première demi-finale là, victoire donc du Mexique 2-1 au dépens du Canada. Eh bien, dans l'autre demi-finale là, nous tomber 3-2 contre les États-Unis. Melchi Daël Dumonet, Telouvris Collin et pour équipe haïtienne après États-Unis d'après égalisé, marqué un deuxième goal et un troisième goal. Merci entre temps. Et donc mardi à 10h du matin, Haïti a bien pour rencontrer Canada pour match troisième place là. Même Jean nous t'a fait dans U21. Possibilité pour que nous fassions encore une fois. N'abtenez, est-ce que c'est pas la même chanson qui fait danser la foule? Est-ce que c'est pas la même eau qui coule? Et donc mardi prochain, n'a prêté pour nous. Donc le sujet principal, c'est bien la police nationale d'Haïti qui affronte l'équipe policière dominicaine dans l'occasion 23e anniversaire yo, côté la TNH en direct. Et bon retour au niveau de la défense par et donc Ougando, mais le ballon est allé, non, c'est faute qui a la débaille, la passe en profondeur, attention, goalkeeper qui peut PNH là, les capte ballon rapidement, relance manuel et du portier haïtien, la passe vers Luxon Mathéus qui font deuxième dribble, l'Ipaka aller, il ouvre le ballon sur le flanc droit, là où il y a Calenry Boucher, et Boucher a le ballon, la passe dans l'axe, le ballon se trouve dans la ligne médiane, mais finalement, il fait, disons, le ballon filé en touche. Entre-temps, c'est toujours l'équipe dominicaine et qui contrôle la balle, la passe en retrait, la passe axiale en direction de qui? Et c'était bien, et Bétoni Medina, la passe de Bétoni Medina, mais bon placement au niveau de la défense qui a repoussé le ballon de la tête, ouverture et sur le 219, possibilité de 4e goal. Attention, on attend ce que ça va donner. Attention, il est poursuivi par 3 joueurs dominicains, mais finalement, sa frappe est passée, mesdames, messieurs, à côté des buts gardés par le portier dominicain. Il s'agit de Luis Juan Thomas Ogando. Luis Ogando qui se prépare à relancer pour les Dominicains. Oui, relance. Oui, c'est la défense haïtienne qui a le ballon. Finalement, voilà. Ah, attention. C'est ça. Entre temps. Oui, attaque pour l'équipe policière. Attention, danger pour police dominicaine. Non. Ah, c'est pas encore fini. La frappe à l'entrée de la surface de réparation. Mais ballon capté par le portier dominicain. Luis Juan Thomas Ogando. Luis Ogando. Et donc San Pedro de temps qui dégage pour l'équipe dominicaine. Attention, passe en talonnade en direction de Calenry Boucher, mais la passe vers la droite. Attention, mais la sortie exacte du portier dominicain et monsieur Luis Juan Thomas Ogando, donc San Pedro de temps et qui dégage le ballon pour l'équipe dominicaine, mais cette fois-ci la balle est récupérée et par l'équipe haïtienne. C'était momentanément, mais bon retour, bon marquage réalisé par André Joseph, mais il est descendu sous les yeux de l'arbitre central de cette rencontre, mais le directeur de jeu a tranché au profit de l'équipe dominicaine. Ah oui, c'est un coup franc, tout franc et coup franc pour l'équipe dominicaine. Oui, on a peut noter que jeudi à tout, sélection haïtienne, non, sélection féminine U21 tombée contre l'Allemagne 4-1
dans le dernier match li dans le tournoi Sud Ladies Cup là qui a fait en France. Il est tombé contre eux, équipe football France là, disons 5-0, nous t'es 7-0 dans les États-Unis et nous tombé contre l'Allemagne 4-1. Oui, voilà. En tout temps, on attend ce que ça va donner. Attaque pour l'équipe haïtienne. La passe en retrait. Oh oui, yon match qui a joué avec yon très bon niveau entre temps. Donc c'est pour le ballon qui prend le fait en profondeur. Et la passe en avant. L'équipe dominicaine en position de la balle. Mais finalement, le ballon va être dégagé. Non, conservation de balle pour l'équipe haïtienne. Mais finalement, il y a faute. Voilà, il y a faute favorable pour les Dominicains qui sont menés au score 3-0 ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Voilà, en pile ambiance, il y a une ambiance de fête, c'est une ambiance festive ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. C'est toute une équipe qui mobilisée pour faire vivre rencontre football si là. Merci encore une fois à mon ami Bolnav. Voilà, gon fair play, gon convivialité, gon tête ensemble qui quand même a pas développé dans match football là, puisque le sport c'est la vie. Jeunes et vieux, petits et grands, blancs et noirs, riches, pauvres, ils sont tous dominés par la passion du sport. Ouais, madame, monsieur, vive le sport. Attaque pour l'équipe dominicaine. Possibilité de réduction du score. Attention, c'est pas encore fini. Mais finalement, le ballon est allé en corner. C'est un corner qui va effectuer de gauche vers la droite. Oui, c'est une surface haïtienne massée, bourrée de couleurs, jaune, bleu, blanc, rouge. Mais finalement, l'arbitre central de la match a demandé pour que yo quand même refait foot là. Et disons, rebouté coup franc de différence. Naga des goalkeeper, équipe police nationale d'Haïti. Et lui-même qui très calme, qui a demandé et pour que et monsieur yo bien campé. Attention, parce que le patin aimé prend un goal. Oui, ballon pour le balancer. On peut dire danger pour l'institution policière nationale. En parlant de la PNH, ballon pour le balancer. Danger pour PNH là. Attention, ballon repoussé par Luxon Mathéus de la tête. C'est un nouveau corner. Un nouveau corner. Et pour l'équipe et donc de la police dominicaine qui quand même donc 0 dans match là, alors que la police nationale d'Haïti mène 3-0. Mais et donc et premier goal match là, c'est Luxon Mathéus qui t'a pas l'inscrit. Et Luxon Mathéus t'a pas hérité par Philippe Louis et sans oublier et Fenel Méliver. Donc voilà, et joueur football là qui est au sol. Et donc quand même joueur football PNH là. Oui, c'est toujours 3-0. Oui, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à la télévision d'État, la chaîne de service public. Salutations à notre ami Widlin Souffrant qui nous écoute en ce moment. Oui, quand même, c'est toujours le score de 3-0 qui persiste au profit de la police nationale d'Haïti. Son rencontre qui a déroulé dans très bon état d'esprit. Oui, un pile fair play. Yon parc Sainte-Thérèse, disons, quand même déguisé comme yon milieu d'ambiance. C'est quand même yon ambiance électrique qu'après là. Ou même qui parle là ou perdu. Mais heureusement, la TNH présente pour vous faire vivre les points forts de cette rencontre. Pour le faire vivre rencontre là dans toute intégralité. Oh oui, c'est dans le parc Sainte-Thérèse que nous y à Pétionville. Finalement, un bon joueur dominicain quand même qui a été. Entre temps, donc pour aller gagner là. Et donc, on a regardé la joueur football dominicain qui est au sol. Est-ce qu'elle t'est frappé sérieusement? Mais Ligue est en quitté surface de jeu à
Et puisque nous sommes là en thème de solidarité, il y a divers joueurs dominicains et qui quand même présents pour quand même porter support et bail équipe football et joueur football ici là. Entre temps, c'est un corner qui va exécuter de droite vers la gauche pour l'équipe dominicaine. Ballon balancé, la reprise de la tête qui ne donne rien. Le ballon est allé en 5 mètres ou 50 ou 6 mètres. Entre temps, le portier haïtien donc se prépare à dégager pour l'équipe de la PNH qui mène 3 buts à 0 aux deux points de la police dominicaine. La passe vers Alain. Alain, est-ce que c'est à l'instant même? Voilà, mesdames et messieurs, l'arbitre central de cette rencontre met un terme dans cette rencontre, ce match de football qui est soldé sur le score de 3 buts à 0 au profit de la PNH, la police nationale d'Haïti. Voilà, c'est la fête, c'est l'ambiance, c'est la joie. Les policiers sont en liesse puisque c'est fait. Yo gen 23 ans depuis qu'ils ont servi. Yo a protégé tout un pays, toute une nation, tout un peuple. Voilà. Donc, en plus de l'artifice ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Encore une fois, la TNH fidèle à sa devise. Encore une fois, la TNH était attachée à mission. La TNH, les populations, gain plus d'informations que possible, livré présent donc dans tout petit coin sous pays pour le faire vivre. Comment ça les mêmes liés, ces salutations entre les policiers dominicains et ceux d'Haïti. Oui, salutations donc puisque et quand même yo pas ennemi, c'est quand même un match de gala qui t'a fait. N'a précisé le compte football ça l'été déroulé en présence des diverses autorités dans l'État, gagnant président républicain, son excellence Jovenel Moïse qui t'a fait le déplacement, bien chef gouvernement, docteur Jacques Guy Lafontaine qui présent également, sans oublier gagnant et plusieurs cadres, plusieurs membres gouvernement et qui présent, ministre jeunesse sport Action Civique là, Régine Lamure, lui présent pendant ma parole là, gagne également ministre planification à coopération externe à Viol Fleurant, gagne également et ministre donc justice là, Ali, disons Oudi Ali qui présent également, et voilà, meilleur public côté, c'est normal. Voilà, photo de souvenir entre deux policiers yo. Photo souvenir entre deux policiers yo. C'est deux polices, deux pays. Police nationale d'Haïti et police dominicaine. Oui, c'est quand même un très beau match. Ici, voilà. En pile monde fait le déplacement. Quelle marée humaine. En pile monde. Et quand même, pour te passer pour entrer dans le parc Sainte-Thérèse, j'ai toujours dit qu'il faut qu'aucun garçon n'a garçon. Entre temps, joueur, équipe PNHO, yo même qui quand même fait victoire si là 3 goals à 0, dans l'occasion, fête yo, qui c'est 23e anniversaire yo, gagne quoi arbitre là, qui a quitté terrain, dans le moment que n'a pas allé à là. Oui, arbitre central là, qui quand même, et disons quoi arbitre là, voilà. Donc, filles ou garçons, eh bien, jeunes, petits et vieux, yo tout yo présent là. Hein? Le sport, la passion de toutes les nations. Vivre le sport, vive le sport. Oui, on a regardé les policiers haïtiens qui quand même font le salut public là pour déplacement ça que yo fait là. Oui, c'est normal. Puisque c'était tout un pays qui était derrière eux, c'était toute une nation, tout un peuple qui était venu supporter eux dans l'occasion 23e anniversaire. Nous avons noté jeudi que la sélection féminine U17 est tombée contre les États-Unis dans la demi-finale. Et donc, et dernière phase éliminatoire Coupe du Monde Uruguay 2018 là, qui prend le fait ce 13 novembre pour arriver 1er décembre qui est venu là dans le pays de l'Uruguay.
C'est là que Coupe du Monde U17 après le fait. En revanche, du 5 au 24 août, oui, n'a bien pour que nous aller en France pour nous faire vivre. Eh bien, rencontre football, c'est là, voilà. C'est divers mondes que vous suivez dans ce moment-là, qui viennent suivre, qui te viennent suivre, disons. Rencontre football, c'est là, entre PNH, la police nationale d'Haïti et la police dominicaine, qui quand même battent équipe, disons, PNH là, qui battent Dominicain Yo, 3 goals à 0. On a précisé également, matin, tu as gagné un marathon qui t'est déroulé, et donc un marathon de plusieurs kilomètres qui t'est sorti, et non, qui t'est sorti, disons, bon, piste aviation, passé, et donc route aéroport, passé devant, donc, disons, prend route Maïgaté pour aller Gérald Bataille, et sorti Gérald Bataille pour descendre Claircine, pour quand même t'arriver devant base Bilan qui est dans Claircine. Voilà, en pile monde présent. Il a fait marathon, il a fait championnat de basket, il a fait une compétition de basketball et il a fait match football si là que vous tapez suivre sur radio et télévision nationale d'Haïti. Oui, puisque nous avons pour nous faire vivre un compte football si là, eh bien, et tout le peuple qui est présent, c'était une rencontre Gentedo déjà, qui était déroulé en présence de diverses autorités dans l'État, président République Jovenel Moïse,